C'est donc ici, au Pays des Abers, à 25 km au nord de Brest, que vont se dérouler les épreuves des championnats de France de cyclisme sur route 2013. Leur organisation reviendra au Pays des Abers, présidé par Christian Calves, grand adepte de la petite reine. C'est la quatrième fois que le Finistère accueille ses championnats. Les trois premières fois, c'était à Châteaulin. En 1955, c'était André Dariguette qui s'était imposé devant Louison Bobet et Louis Capu. En 1957, la victoire revint à Vincent Huot. Et en 1964, Jean Stablinski triompha devant Georges Groussard et André Fouché. Différentes épreuves sont programmées sur 3 jours, le jeudi 20, samedi 22 et dimanche 23 juin. Une cyclo-sportive étant également prévue le vendredi 21. Elles réuniront durant 3 jours près de 500 coureurs. Près de 100 000 spectateurs, dont principalement des Finistériens, sont attendus. Le jeudi matin sera consacré au championnat de France des contre-la-montre individuelle dames, élite et espoir. L'après-midi, au contre-la-montre individuelle élite. Ces 3 épreuves seront disputées entre Kernilis et Lanilis. Les championnats de France dames, élite et espoir en ligne se dérouleront le samedi 22 juin en matinée et celui des amateurs l'après-midi. Enfin, le dimanche 23 juin sera consacré au championnat de France élite professionnelle en ligne. Le circuit en ligne proposé par le Pays des Abers, long de 19 km 34 et à parcourir de nombreuses fois, les professionnels ayant plus de 250 km à parcourir, ne présente pas de difficultés particulières, mais s'annonce innovant en proposant un secteur étroit et empierré de 700 mètres, typique de la région des Abers et appelé Ribine. En sortie d'agglomération, les coureurs rejoindront le lit de l'Abervrac après une descente de 850 mètres. Le site de Paludène sera très apprécié par les spectateurs. La crêperie et l'auberge du Pont, comme tous les restaurants du secteur, seront pris d'assaut durant toute la durée des festivités. Les coureurs effectueront la montée du port de Paludène vers Plouguerneau jusqu'au premier carrefour, soit environ 600 mètres, et prendront la première route sur la droite pour rejoindre le Derbez, un faux plat de 220 mètres les conduira au fameux Ribine. Comme le montre le schéma, le circuit n'est pas particulièrement plat. C'est une succession de petites montées et de descentes qui attend les coureurs. Un vrai tape-cul.
fait, l'homme à l'allure de druide n'est autre que le créateur du Trobro Léon, course atypique avec ses fameux ribinous, également surnommé l'Enfer de l'Ouest ou le Paris-Roubaix breton, et qui se dispute tous les ans depuis 1984. Il a une nouvelle fois déniché un secteur empiré de 900 mètres pour donner du piment à ses championnats. Il est certain qu'une foule immense de spectateurs sera massée dans ce secteur, d'autant plus qu'il y est envisagé d'y implanter un écran géant. Ce terrain est plus propice à la pétanque qu'à la pratique du vélo. Les mécaniciens des différentes équipes seront également regroupés à la sortie de ce secteur. C'est un circuit très dur, enfin il sera usant, avec beaucoup de relances, il est assez sinueux, puis, puis le ribbon, je pense que ça va faire beaucoup. Enfin la chance, parce que même dans l'année des tours, tout n'est pas perdu pour ceux qui sont derrière. Donc, voilà, donc ça va. Ouais, je pense qu'il faut mieux passer sur les extérieurs du ribbon. Ouais. Chaque fois que j'ai crevé, je me trouvais à peu près au milieu. Et... Il y a pas mal de caillasses. Ah non. On y va, c'est bon, on a des chambres arrière. Oh, A noter que ce ribbon sera également intégré au parcours du Trobro Léon de 2013 qui se disputera le 14 avril. T'as plus de chambre à air. Ah non, j'ai crevé 4 fois. Bon. Attends, ça suffit. On veut bien, être sympa, mais il y a des limites. Crevé 4 fois aujourd'hui dans le ribbon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce ribbon? C'est un ribbon cassant, quoi. J'espère qu'il sera un peu refait pour les pros, parce que sinon ça va râler de partout, comme je fais tout à l'heure, mais... Je pense que ça va faire des dégâts et c'est peut-être le plus fort qu'il y en aura ce jour-là, c'est le plus chanceux. S'ils refont pas le ribbon, s'ils restent dans l'état où il est, ce sera le plus chanceux, Guillaume ne sera pas le plus fort. Ça c'est clair. Mais autrement, avec le vent, avec le climat, ça peut jouer fortement. Là ce sera le plus fort, mais c'est dur, ce sera très dur. Ce ribbon est à 15 km de l'arrivée, vous pensez vraiment qu'il peut être un facteur déterminant pour la victoire? Fortement, parce qu'après c'est des routes très très ouvertes au vent. Et si le vent est de travers, il y aura des bordures, ça va faire des dégâts monstrueux jusqu'à l'arrivée. Et ce sera un bloc, donc le ribbon va être vraiment déterminant. Ça promet du gros spectacle. Ah, du gros spectacle et de la grosse bagarre. Qu'on se rassure, le secteur empiré devrait faire l'objet de quelques aménagements pour éviter une hécatombe de coureurs. Suivra la zone de ravitaillement. La descente de Plouguerneau vers l'Abervrac, longue de 1 km, va permettre aux coureurs mal placés de se repositionner, car la route va enfin s'élargir sur plusieurs kilomètres jusqu'à Tarriec. Le château de Kerouas, de style seconde naissance, offre aujourd'hui un cadre unique pour les réceptions privées ou professionnelles. Des terrains pour le stationnement des camping-cars devraient être aménagés non loin de cette belle demeure du XVIIe siècle.
Après le passage du pont de la Bervrac, les coureurs vont enchaîner avec la montée vers le premier rond-point, marquant l'entrée de l'agglomération de l'Anlis. Cette côte d'1,3 km sera sans doute la partie la plus difficile du circuit, surtout si les vents sont forts et soufflent du sud-ouest. Suivre ne sera pas non plus de tout repos, car ça va certainement rouler très vite. Aucun talus pour protéger les coureurs. Sur une distance de 1,6 km, trois ronds-points seront traversés. En cas de pluie, il faudra se méfier des chutes. Son épingle du jeu parmi les professionnels. Oh, ce sera un puncher, comme le circuit est plutôt casse-pattes, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Après, il y aura le facteur chance aussi. Donc pour moi, ça va être un puncher, ce ne sera pas un grimpeur. Est-ce que vous réalisez quand même que près de chez nous, il y aura un championnat de France l'année prochaine, que là, vous avez roulé sur le parcours où des Thomas Vaucler, Chavanel vont rouler? Si on peut aller rouler déjà avec eux, faire un petit bout avec eux, ce serait sympa. Oui. Bah, pour le Pays des Abers, c'est un site magnifique. Il y aura des belles vues d'hélicoptère, ça va être génial. La descente de l'Anlis vers Aberbenois, longue de 750 mètres, sera la dernière occasion pour les coureurs de se replacer à l'approche des routes plus étroites. Également être disposée, la route deviendra très sinueuse sur 3 km 400. Elle sera propice aux échappées. Vous avez été reconnaître le parcours des championnats de France ce matin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour les petits cyclistes du dimanche comme nous, ce fut dur, il y avait du vent, néanmoins on a été vite, donc je pense que pour les pros ça ira beaucoup plus vite. Vous pensez que c'est quand même un parcours qui promet du spectacle? Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau du ribbon, ça sera pas mal aussi dans la montée de Tarieck vers Trégoune. La montée de Tarieck est longue de 700 mètres. Son pourcentage n'est pas élevé, mais devrait au fil des tours durcir la course. We'll be right back.
professionnelle que vous participeriez au championnat de France, vous attaqueriez où? Il y a des beaux sabots partout, donc obligatoirement à Trégonou, je pense. Trégonou, et puis à Trégonou, ce sera assez dur, je pense. Ça représente pour vous un championnat de France? C'est la chance pour le pays des Abers d'avoir ça. On est dans une terre de passionnés de vélo, donc il y aura du monde. Précède un secteur plat mais sinueux, puis une montée sèche de 300 mètres. Il faudra alors négocier un virage à angle droit pour descendre vers le pont de Trégluny qui enjambe la Berbenoire. Un géant sera également disposé au bourg de Trégluny. Professionnels, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une course amateur le samedi matin. Qu'est-ce que vous en pensez de cette course amateur? Vous pensez que par exemple quelqu'un comme Olivier Legac pourrait triompher? Je vois très bien Olivier Legac, en plus il est du coin, Pouvien. Je pense qu'il sera très très motivé pour faire cette course. On espère tous ici dans la région que ce sera lui le vainqueur. Vers l'Anilis, longue de 850 mètres, sera sans doute la dernière occasion pour creuser l'écart pour les éventuels attaquants. La fin de parcours reprend la dernière partie du circuit final du Trobro-Léon. Si vous aviez un conseil maintenant à donner aux professionnels, qu'est-ce que vous leur diriez sur ce point? Je dirais patience, attendre la fin de course, voir peut-être le dernier tour, car c'est un circuit qui, au fil des tours, va faire très mal. Au rythme où ils vont donner, sur le nombre de tours qu'ils ont, le kilométrage, ça va peser sur la fin de course et je pense qu'attendre la fin, ce serait judicieux. Vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir un sprint final à l'arrivée? Non, je ne pense pas que ce sera un sprint final, non. Un petit groupe qui se sera détaché en fin de parcours. Vous pensez à qui quand vous parlez du petit groupe? Vous pensez à quelqu'un en particulier? Alors je vois bien Thomas Buckler et pourquoi pas Cyril Gauthier, après tout. C'est un circuit de puncheur, pourquoi pas lui sur le final? S'il sait attendre la fin, pourquoi pas? Bonne
chance à tous les coureurs en espérant que les Bretons sauront tirer leur épingle du jeu. En espérant que le nouveau champion de France des professionnels sera présent à Porto Vecchio le 29 juin pour le départ du Tour de France 2013.